j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est la vidéo des prédictions up de cet hiver des 5 étoiles gesténiques, dont j'ai sélectionné 3 qui parmi moi seront pratiquement up à 80%, 90%, plus 2 que 3. On va tout de suite commencer les gars avec le premier joueur. Le premier joueur les gars, il est argentin, il joue au Benfica, c'est bien sûr Eduardo Salvio. Les gars, Eduardo Salvio qui fait plaisir. On a vu, je vous regarde ses matchs en tout cas avec le Benfica. Et Eduardo Salvio les gars, c'est un très bon joueur. J'ai sonné un clip pour ma part qui a été le meilleur pour lui montrer que les gars qu'il a bien les 5 étoiles techniques. Regardez le hocus pocus qu'il fait. C'est il y a un an, c'était vers le 8 avril 2015 les gars. Et voilà, dommage que la frappe enchaîne sur le poteau. Mais voilà, magnifique enchaînement avec un hocus pocus les gars. Magnifique, j'ai pas de mots, franchement, il mérite pour moi les 5 étoiles. Et les gars, le phénomène de cette année, c'est Riyad Mahrez, bien sûr, avec Jamie Vardy. Riyad Mahrez qui mérite pour moi 95% les 5 étoiles. Vu ses matchs, vous connaissez tous ses dribbles, encore une fois, contre Manchester City la dernière fois. Regardez celui-là, j'ai né sélectionné parce que pour moi, c'était le plus beau. Bien sûr, qui... Voilà, la virgule piton, rien à dire. Le petit élastico, là, hop, à Empana, magnifique. Et la passive ensuite qui permet le but. Et là regardez ce que j'ai trouvé aussi, cette réalisation de 8 enchaînements de tour du monde. Avant bien sûr le match contre Stoke City. Magnifique enchaînement qui pour moi caractérise ces 5 étoiles on va dire dans phase 16 hein, qui mérite amplement. Voilà les 8 tours du monde les gars qui font plaisir. Il a fait une vidéo aussi avec F2 Freestyler. N'hésitez pas à aller checker ça dans la description, je la mettrai. C'est une vidéo où vous allez voir là encore plus. J'ai pas pu la prendre pour les droits d'auteur. Mais vous allez voir vraiment encore plus ses caractéristiques. Le troisième joueur et qui lui aussi concurrence Vardy au niveau des 5 étoiles cette année pour les up, c'est Thiago Alcantara. Regardez ce geste les gars qui a fait le buzz il y a un ou deux mois. Regardez ça, oh là 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 là, le lever de balle magnifique les gars. Il y a pas mal de tutos sur internet les gars si vous êtes un joueur amateur de foot ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à les voir. Regardez ce ralenti les gars, comme il lève la balle. Ça les gars, ça mérite pas 5 étoiles techniques. Je comprends pas du tout. Même si à l'entraînement vous allez me dire oui c'est l'entraînement et tout, c'est rien du tout. Et ben non, pour moi ça caractérise. Regardez en match qu'est-ce qu'il cale. Le flip flap, un Zex technique 5 étoiles dans phase 16. Magnifique, regardez ce flip flap contre Dortmund. Hop là, entre les deux, rien à dire. C'est pour moi un des joueurs qui mérite aussi à 90% les 5 étoiles. Et les gars, cette vidéo s'achève. C'était une vidéo très courte, mais si je pourrais vous faire part de mes ups. Et j'espère que vous avez aimé. Allez les gars, ciao tout le monde.